Il est l'heure, après la fusion Equity, RDC et BCDC, de partager la philosophie économique et sociale à une catégorie de sa clientèle appelée des corporates. C'est dans ce cadre qu'un dîner d'échange a été organisé pour permettre justement aux opérateurs économiques installés en République démocratique du Congo de s'approprier de la vision de cette banque qui vise à soutenir les activités économiques des Congolais en vue de booster l'inclusion financière au pays. Fière de sa solidité bancaire et de sa performance dont elle est classée respectivement la 62e et 55e place au top 100 des meilleures banques au monde, Equity Group Holding tient par les biais de sa filiale en RDC, Equity BCDC a consolidé son leadership, son management et a boosté davantage son partenariat avec sa clientèle corporate. Pour relier l'utile à l'agréable, un dîner d'échange a été organisé à l'honneur de cette catégorie de sa clientèle pour approprier à cette dernière la vision sociale et économique de cette banque. En maître d'école, Célestin Moukeba, directeur général d'Equity BCDC, a eu des mots justes pour brosser l'économie de la philosophie de son institution bancaire qui vise à soutenir les opérateurs économiques pour investir selon leur taille et même dans des projets à long terme. Nous sommes en train d'œuvrer dans l'amélioration de l'expérience client. On veut que tout le client de la banque se sente mieux pris en charge par notre institution. Nous avons profité de brosser sommairement ce qu'est le groupe Equity, qui est une banque solide avec 2 milliards de capitalisation boursière, près de 12 milliards de total actif. On a aussi souligné que la banque, c'est parmi les 60 banques les plus solides de la planète. Donc ça inspire confiance, on le sent, on se le voit avec les volumes de dépôts qui s'accroît. Donc c'était l'occasion réellement de changer avec notre clientèle. Cette approche est vivement saluée par ses partenaires d'Equity BCDC qui envisagent booster leur activité commerciale avec les financements mis à leur disposition par cette institution bancaire kenyane. L'Office national du tourisme en l'occurrence est en charge de la promotion et du développement du tourisme dans le pays, dans RDC Congo. Et pour ce faire, vous savez bien que nous avons besoin des fonds et des financements. Donc cette occasion nous a été vraiment bénéfique parce que nous avons pu faire du B2B, nous avons pu rencontrer plusieurs investisseurs qui ont été intéressés et que les échanges continueront à huis clos. Avec cet accompagnement financier que l'Equity BCDC continue à donner à nos partenaires distributeurs, cela va sans doute nous permettre de doubler notre chiffre d'affaires et occuper une place prépondérante en République démocratique du Congo. Disposant d'un vaste et solide réseau mondial des banques correspondantes, Equity BCDC offre ainsi à ses partenaires de l'RDC une puissante plateforme financière pour opérer, transacter et interagir en toute sérénité.